Allez, salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle édition du Journal de la Culture. La religion et l'art, eh bien, c'est un mélange tout à fait spirituel que va vous proposer maintenant dans ce reportage le prêtre franciscain Emmanuel Macken. Ça se passe à l'atelier du Quai et on voit ça ensemble. Le Nil, son histoire, sa majesté et sa splendeur ont été le thème principal de l'artiste Père Emmanuel Macken pour sa première exposition. Elle a eu lieu à l'atelier du Caire et a accueilli 20 réalisations qui illustrent la beauté des paysages sur les bords du Nil. D'autres réalisations ont illustré des icônes chrétiennes. بدأت وأنا طالب في المعهد الكليريكي الفرنسيسكان الشرقي بالجيزة. L'art et la contemplation de la nature ont commencé tout jeune chez moi. Alors lorsque j'avais rejoint le centre clérical, cette passion s'est développée. J'ai commencé à lire sur l'art, ses écoles et les différents styles artistiques. Ça a été très utile pour moi et vous, comme vous le voyez, ça s'est reflété sur mes réalisations. Justement, ces réalisations ont commencé à prendre une forme plus profonde et plus professionnelle.
Et bien que mon travail clérical soit éprouvant et demande qu'on lui consacre énormément de temps, cela ne m'a jamais empêché et ne m'a détourné de ma passion première, le dessin. J'ai grandi dans la Haute-Égypte et ces paysages sont pour moi des modèles qui ont influencé mes réalisations et des modèles sans fin, je dirais. On y voit par exemple dans mes tableaux, le Nil représenté dans plusieurs tableaux. Et bien que le Nil y soit très présent, j'ai pu le traiter de différentes manières. C'est pour moi un fleuve extraordinaire. Vous savez, l'art, pour moi, le meilleur moyen de lutter contre les difficultés. Lorsque je me trouve hors de moi, par exemple, eh ben, je me défoule dans le dessin. Le désir de développer la passion artistique a poussé Pierre Emmanuel à voyager en Italie pour étudier l'art dans le plus prestigieux institut du monde, l'Académie italienne de l'art à Florence. قلت بقى عشان اتعمق اكتر رحت ايه طلبت من الرؤساء ان يودوني ايطاليا عشان ادرس Ce voyage en Italie était une étape importante dans ma carrière artistique. Vous savez, l'Italie n'a pas été choisie par hasard. C'est le pays de l'art par excellence et l'Académie de l'art est la plus ancienne au monde. Elle a un style qui la démarque, une méthode qui lui est propre et cela depuis des siècles.
Dans cette exposition, il y a un tableau important sur lequel je voudrais attirer votre attention. Voyez, il représente un événement historique important, la sixième croisade dans la ville de Damiette, sous le siège du roi Al-Kamel. Le prêtre Francis a longuement discuté avec le roi, et bien que les chrétiens soient l'ennemi à l'époque, le roi lui a permis de quitter l'Égypte. Cet événement est considéré par beaucoup d'historiens comme le premier dialogue de paix entre les deux religions. C'est une histoire qui m'a marqué et sur laquelle j'ai énormément lu et même écrit un livre. Et c'est pour cela que j'ai veillé à la présenter dans un tableau ce soir. Ont apprécié ce mélange des genres. C'était Ahmed Hosni pour le Journal de la Culture.